Ce samedi 18 mars 2023, Canal Plus diffuse le film de Declan Lone et Adam Patterson, Rogue Agent. Aux côtés de James Norton, Gemma Arteteon est mis à l'honneur dans le long métrage. Saviez-vous pourquoi la belle américaine parle français? La belle Gemma Arteteon a aujourd'hui 37 ans. Depuis ses 28 ans, elle a tourné dans plusieurs blockbusters, dont un James Bond. En effet, elle s'est fait connaître du grand public en 2008, lorsqu'elle incarnait Strawberry Fields, un officier du MI6, dans Quantum of Solace, aux côtés du charismatique James Bond, Daniel Craig. L'année 2010 marquait non seulement la sortie de deux autres blockbusters dans lesquels elle était au casting, Le Choc des Titans et Prince of Persia, Les Sables du Temps, mais aussi son mariage avec son chéri. Elle l'avait rencontré sur le plateau de James Bond, 2 ans auparavant, il s'agit du cascadeur de Daniel Craig, un bel Italien du nom de Stefano Catelli. Aujourd'hui, l'Anglaise de 37 ans vit avec lui entre Londres et Paris. Mais d'où lui vient cette fascination pour la France, et surtout, pourquoi parle-t-elle aussi bien français ? Je suis tombée amoureuse de Paris pour les besoins de la comédie dramatique Gemma Bovary, où elle donne la réplique à Fabrice Luchini, l'actrice britannique a dû apprendre le français en quelques mois seulement. Comme elle l'a expliqué en interview pour YouTube, où elle s'exprime dans un français quasi impeccable, elle raconte être littéralement tombée amoureuse de Paris et de la France, où elle vit encore aujourd'hui. La lumineuse comédienne, qui a désormais un agent en France, explique que cette expérience a changé sa vie. Quand j'ai reçu le scénario, je ne parlais pas un mot de français. Après ça, j'ai pris des cours intensifs pendant des semaines, et j'avais quelques mots, quelques phrases. Après, pendant l'été, j'ai déménagé à Paris, juste avant le tournage, pour apprendre la culture, etc. Quand je suis arrivé sur le plateau, je ne parlais pas vraiment français puis sur le tournage, j'ai appris. C'était un risque de prendre ce rôle mais ça m'intéresse d'apprendre une autre langue. Maintenant j'habite entre Paris et Londres. Je suis tombée amoureuse de Paris, raconte la belle brune. Une histoire d'amour iconique. Keep on. I have a sneaky bit of fire. I have a real